Tout est placé, j'ai fait mon montage, ça fait mon affaire, et maintenant je suis prêt à terminer, à exporter le résultat de mon podcast. Donc je m'en viens cliquer sur Finish. Je n'avais pas de couronne, donc ça me laisse aller comme ça. Ça me demande un titre, podcast extraordinaire. Et voilà. Maintenant, je suis dans la feuille de partage de mon podcast. Il n'est pas encore partagé. On va voir ce qu'il y a ici. Donc, j'ai le titre qui est là. Je peux l'exporter en vidéo ou en audio. Pour un podcast, on l'exporte en audio. Et la destination, je vous conseille fortement, ça c'est le signe oui vidéo, je vous conseille fortement d'utiliser Google Drive ici comme ça. Et d'enlever public. Une fois que ça c'est réglé, ça va l'envoyer automatiquement dans notre compte Google Drive, vu qu'on est déjà connecté, et on va pouvoir facilement l'envoyer dans Google Classroom. Une fois que c'est fait, on attend. Il n'y a pas grand-chose à faire, on peut laisser ça aller comme ça. On va recevoir un courriel, dépendant, ça ne prend pas beaucoup de temps. On va recevoir un courriel quand ça va être terminé. Le temps que ça prend, ça varie selon la longueur et la complexité de ce qu'on a envoyé.